Et du coup, bonjour à tous, Commodore, pour commenter du coup ce premier match entre Omika et Link 91. Du coup, excusez-nous, on a déjà eu Stock qui est parti. Oh putain, je sais pas vu. Je joue la part. Donc, Omika qu'on sait qu'il y a, notamment pour son top pute à Lupa, qui était assez impressionnant. Et je trouve vraiment un joueur qui monte beaucoup en ce moment. Dans la scène française, la Link 91 qui est vraiment quelqu'un un peu sous-estimé, qui était pas autant sous les projecteurs que d'autres grands joueurs, mais qui est très bon aussi. Clairement pas à sous-estimer. Le game assez close du contre-joueur et Jalob Smash qui prendra stock 2 à 1. Et le petit qui prendra la stock, finalement ça revient quasiment even. J'attends vraiment de gratter le pourcent pour le moment. On n'est pas encore des pourcentages, il faut vraiment exploiter à fond le stage control. Surtout face à un Link qui peut jouer un jeu un peu campy. Il va vraiment jouer un jeu assez safe, sans trop prendre de risques. On veut gratter un petit peu le stage, mais à chaque fois que ça gratte, ça prend des pourcents. Incroyable. Bien joué Boomerang, je vous aime Boomerang. Il faut vraiment jugger comme Hippo. Bien joué, il met off stage. Et je peux faire attention, mais Link 91 du coup qui a réussi à remonter une grande partie des pourcents de ses stocks. C'est mon 14% de différence, c'est vraiment pas beaucoup. 97, ça peut être dangereux. 100%, ça peut vraiment être dangereux maintenant. Autant pour Omika que pour Link. Et ce sera la Smash qui prendra la stock. Et bien joué, Insane. Et du coup, première game prix du côté d'Omika. Par un petit F-Smash. Effectivement, Lulma qui peut surprendre beaucoup de qui peut surprendre dans beaucoup de match-up, beaucoup de situations. Hein. Il suffit qu'on l'oublie ne serait-ce qu'un fraction de seconde. Et il peut surprendre vraiment avec beaucoup de range. Pas de personnage, on va retrouver les mêmes, on les connaît pour ça. Et du coup voici... Ah c'est possible, c'est le Kick Smash Ville. Peut-être qu'il veut vraiment avoir un petit stage pour éviter que... Je sais pas, c'est possible pour voir, mais je pense vraiment que c'est pour couvrir la plateforme avec son épée. Je pense plus ou moins avoir moins de distance à parcourir. Ça peut jouer effectivement dans le match-up. Faut vraiment mettre la pression de loin parce qu'il sait que encore c'est pas forcément facile. Le biker. Faire le tilt, le Luma qui est KO. Donc, déjà, effectivement, lorsque le Luma est KO, faut vraiment tenter de jouer un jeu assez différent avec Rosalina. On a vu forcément cette range bonus qu'on avait avec le Luma. Donc, c'est un jeu qui est assez différent. Bien joué le jab, justement. Vraiment sortir de garder à distance, mettre des petits pourcents, vraiment gratter jusqu'à un moment où c'est 5%, et à partir de là, c'est-à-dire qu'on en profite quoi. 91 qui tombe vraiment avec ses boomerangs, pour des petits termes. L'Ulma est encore mort. Je sais même pas sur quoi il est mort en vrai, mais il est mort sur un petit coup. Link essaie vraiment de faire attention, il sait qu'il a des pourcentages dangereux, il sait qu'il est vraiment en désavantage dans cette position là. Ah, le timing de Smash qui a été raté. Plus proche, hein. Là ça va. Ok, c'est bon, je ne suis pas assez près. Du coup, le Smash a bien été réussi. Ouais, réussi, j'étais complètement raté, j'ai assez moi. 75 contre 121. Et en vrai, avec le Luma qui peut tanker les projectiles, un boomerang ou une flèche, ça peut vraiment être compliqué d'approcher. Je vois moins jouer avec sa bombe cette fois-ci, cette game là. Bah, je sais, ça il la sort. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait. Mais j'ai vu qu'il jouait un peu moins avec la bombe que tout à l'heure. Peut-être qu'il n'avait pas l'attendre de la sortir pour qu'elle soit vraiment intéressante. 150%, il tente de revenir à la bombe, bien joué de sa part. Aïe 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 aïe.
Le FB dans le vide. Une petite erreur qui lui coûtera la stock. Bon, 56% c'est pas très grave, mais c'est quand même dommage de pas la stock sur ça. c'était déjà dégâts en fait. Ça fait exploser. Et du coup là on retrouve. Et du coup 84% contre 25% pour Omika. La F3 pour vraiment mettre offstage. Où ça gratte. J'ai déjà vu des edge guards parce que je me souviens au jab justement. Le map peut tomber lors du jab. Ah ouais, pour reprendre. Contre le nerf, on prend le up smash. L'up smash qui prendra la stock, incroyable à 50 km. Et du coup, une stock à 2, sachant qu'Omika a quasiment presque une stock d'avance, hein, seulement 56% de son côté. Enfin, il en avait que 37 avant. Et est-ce que Link 91 arrivera à reprendre l'avantage? Il tente vraiment de mettre une petite phase, il prend le moins de dégâts possible. Il sait qu'il a l'avantage, il tente vraiment de gratter le plus qu'il peut. Tout ce qu'il peut, mettre le plus de dégâts possible. L'Huma qui est mort, ça peut être à son avantage clairement. Voilà, et le père qui prendra prendre la stock. Et du coup Link 91 qui arrive justement à égaliser. Il gratte de plus en plus. Mais il se prend double honneur malheureusement. 47% déjà sur quelques coups. On voit vraiment que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Hein. Enfin, c'est deux joueurs qui ont des avantages qui sont clairement très bons mais qui se connaissent assez bien visiblement. Le back air. Est-ce que le B suffira? Même si le B suffisait, il y avait quand même le dernier. Et du coup déjà 2-0 pour Omika. On voit déjà que effectivement le pic de petit stage était... Je sais pas vraiment s'il a changé grand chose dans son gameplay mais j'ai l'impression que au tout début de la game il jouait... Peut-être moi avec la montre, peut-être qu'il avait pas le temps de la sortir ou... J'ai cherché une autre manière d'approcher certainement, peut-être un peu de mix-up. Enfin, même que pour le moment ça reste toujours un peu à l'avantage de Mika. On a repris Smashville si je dis pas bêtise, oui on a repris Smashville. Enfin, du coup je pense vraiment que ça va être un stage qui peut avantager Link. Et du coup pour le moment... Back air. Là, on a des boomerangs, 5 contre 36. Il joue vraiment un jeu beaucoup plus au corps à corps, nerf. Hein. Ah, ça peut se comprendre, il tente vraiment mettre de la pression, mais. Bien joué, la Rico la bombe. Il savait qu'il avait pas la distance, il a mis sa bombe, bien joué à lui. C'est un pro, il tente de. Je pense qu'il tente des combos avec le upshield, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est pas trop de naïf. Le down smash. Aïe. Là c'est fini. Hein. Bien joué de la part de Mika qui a su gérer très bien son avantage et vraiment profiter des petites erreurs souvent de Link. Du coup de ce côté là on a un peu de mal. Bon vraiment Omika qui joue en fait autour des projectiles de Link. Hein. Genre il arrive assez gracieusement presque en esquiver la plupart, ce qui donne vraiment un avantage. Le back air et dans ça le dernier assez propre de la part de Mika justement qui est vraiment il joue vraiment patient un truc de fou. J'ai l'impression vraiment de voir en fait un personnage flotter autour des projectiles de Link qui se sépare un peu et qui est obligé vraiment de jouer à un jeu plus agressif. Bon là évidemment il prendra la stock à faire à 120%, je pense pas qu'une Rosa puisse survivre hein. Du coup, mais il y a quand même une stock d'avance et.
Ning 91 qui est déjà presque à la moitié de sa stock, sa dernière stock. Hein, ça... ça peut être assez dangereux pour lui. Chercher le upper, le down air. Attends vraiment le F smash instantanément. Et le fer. Il a fait très peu de fois son fer avec son Luma. Et du coup là je pense que c'était vraiment le moment qu'il l'a fait pour en prendre la dernière stock. Bien joué de sa part. Bien joué de la part de Mika. Qui a su gérer la dernière game en fait directement faire. Et du coup le prochain match en stream ce sera Je suis Choc contre Ryukai.